Retour sur le plateau de Village Semence en région. Nous sommes dans le centre, dans le Val-de-Loire, pour parler d'un autre sujet. Après avoir évoqué les plants de fraisier, on va maintenant parler de la production de semences, une filière importante et accompagnée par la région. On va en parler avec trois invités. À ma gauche, Vincent Delaunay, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional Centre CEMAE. Merci déjà à vous. C'est grâce à vous notamment qu'on est ici en région pour faire cette émission aujourd'hui en direct. C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans les locaux mis à disposition par une entreprise de la région. Voilà, l'entreprise Marionnet qui, on le rappelle, fait notamment des plants de fraisiers, de framboises, de mûres et autres petits fruits rouges. À vos côtés, Benoît Faucheux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Cap Filière Semences. On va en parler, on va dire ce que c'est dans quelques minutes. Également président de la FNAMS Région Centre. La FNAMS, c'est la Fédération Nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Et vous êtes vous-même, évidemment, agriculteur multiplicateur. On fonctionne bien, ça marche bien. Et à ma droite, Éric Fallou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du comité Centre et Sud. Vous allez notamment nous parler des producteurs, je crois, de plants de pommes de terre. Tout à fait. De plants à plants, puisque de plants de fraisier à plants de pommes de terre, je crois que c'est les deux seules espèces qu'on parle de plants. Parfait. Et on verra en quoi vous vous inscrivez dans justement le plan Cap Filière. Vincent Delaunay, premier point, pourquoi peut-on dire que la filière semences dans cette région est importante, rayonne à un vrai poids? Ben, si on commence, on parle de CEMAE Centre. CEMAE Centre, ça s'étend sur trois régions administratives, donc l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire et puis le Limousin, maintenant la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc parmi ces régions, la région Centre-Val-de-Loire est une grande région agricole. Il y a diverses sous-régions, on va dire, agronomiques, si on veut. Avec dans le nord, on a la Beauce. Les grandes étendues, les grandes plaines, voilà, de la Beauce. Les grandes plaines de la Beauce. Dans le sud, au sud-est, on aura plutôt le Berry. Et puis autour de la Loire, on a le Val-de-Loire. Et ici, on est en Sologne, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc cette diversité de régions fait qu'on a une diversité de production agricole. Et la diversité de production agricole, on la retrouve dans la production de semences. Tout est lié, c'est logique. Tout est lié. Différents terroirs, différents climats, donc différentes productions et différentes semences. Et différentes semences. Donc les semences majoritaires sur la région, c'est les semences de céréales, les semences de fourragères et les semences de potagères, en particulier dans la région Val-de-Loire. Et puis on a aussi certaines espèces bien particulières, la fraise en fait partie, mais on a aussi le sarrasin et le seigle où... quasiment la totalité de la production française, pour certaines, peuvent être faites dans la région. Je crois que c'est la troisième région productrice de semences ici. Française, exactement. Française. La région Centre-Val-de-Loire. Enfin, si on est les française. Premiers au monde, donc. Voilà. Non, mais c'est ça. Donc, avec troisième région de production, avec à peu près un peu plus de 2000 agriculteurs multiplicateurs. Qui mettent en culture... 2200. Vous auriez écouté mon introduction tout à l'heure. Hein, 2200. Bon, 2200. Oui, 2200 agriculteurs multiplicateurs. Ils mettent en culture à peu près 40 000 hectares. Voilà, et ils font ça au service d'une centaine d'opérateurs qui sont à la fois de la région et hors région, mais qui viennent chercher notre diversité de terroirs pour produire leurs semences. Est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont mises en œuvre pour dynamiser la filière, même si ça marche bien, ça se développe? Il faut toujours, là aussi, stimuler, aider, accompagner? Tout à fait. Donc d'abord, en tant qu'interprofession, on a nos actions en propre. On va mettre en avant la filière, animer la filière et puis la mettre en avant auprès de différents publics, à la fois les jeunes, on va faire des interventions dans les écoles, vous allez pouvoir en voir métiers, tout à l'heure. Notamment. Et voilà, le grand public sur des expositions. Mais la particularité de la région Centre-Val-de-Loire, c'est d'avoir pris conscience très tôt, dès 2012-2013, de l'importance de la production agricole sur la région et d'avoir mis en place un dispositif pour les soutenir, les dispositifs Cap Filière. On va en parler avec Benoît Faucheux dans quelques instants. Exactement. Et en plus, la région a identifié la production de semences comme une production d'importance et a mis en place un Cap Filière dédié semences,
dans lequel, qui permet de regrouper les parties prenantes, dans lequel évidemment SEMAE est intégré depuis le début. Et puis aujourd'hui, dans le dernier cap qu'on, vient de, qu'on a signé en 2019, fin 2019, SEMAE s'occupe et suit à peu près un quart des actions. Voilà, on voit qu'il y a des actions pour soutenir, accompagner le développement de cette filière. Tout à fait. Benoît Faucheux, je le rappelle, vous êtes président de Capfilière Semences. Allez, on essaye de définir simplement qu'est-ce que c'est déjà que Capfilière et Capfilière Semences. Alors, Capfilière, c'est une construction en partenariat avec la région Centre-Val-de-Loire. J'allais dire une construction plutôt verticale. Donc pour toute la filière semences, en partant du volet agricole, agriculteur multiplicateur de semences, les établissements, SEMAE, Vincent vient d'en parler, mais on intègre aussi des utilisateurs, on intègre aussi par exemple des apiculteurs parce qu'on a besoin de pollinisation sur certaines de nos espèces. Donc voilà, le but c'était de regrouper l'ensemble de la filière. Regrouper, d'accord, de manière verticale, on l'a compris, pour faire quoi ? L'utilité, c'est de dire de la part de la région, plutôt que de, entre guillemets, saupoudrer chaque échelon, d'avoir une vue d'ensemble et d'apporter un financement, d'apporter un soutien important de la part de la région à l'ensemble de la filière, mais d'une façon construite. Plutôt que, je résume, plutôt que voilà, donner un petit peu d'argent à un tel organisme, telle formation, etc., où bah, finalement, ce n'est pas forcément très efficient. Là, on regarde l'ensemble, la construction globale, et on se dit, voilà, pour accompagner bien, il faut donner un peu ici, accompagner, donner du conseil. C'est ça concrètement ? Tout à fait, c'est exactement comme ça que c'est construit. En fait, le contrat, on en est au troisième contrat Capfilière. Mm-hmm. Le contrat se construit toujours de la même façon. On part d'un diagnostic de la filière, on voit les éléments, les points faibles, les éléments à améliorer, on se donne des objectifs et ensuite on se donne un plan qui permette, dans la mesure du possible, d'atteindre ces objectifs. Est-ce qu'on peut arriver à détailler une ou deux choses ? Alors, il y a deux plans qui ont déjà été faits, hein, c'est le troisième contrat qui est en place. En deux mots, quelques éléments sur ce qui a déjà été fait pour illustrer un peu le propos. Alors, il y a des grands objectifs. On va essayer d'être assez synthétique, oui, hein, mais le plus important, enfin les plus importants, on va dire, c'est d'abord soutenir l'expérimentation, l'innovation et la recherche. C'est quelque chose d'important pour toute la filière, mm-hmm. Pour toujours progresser, parce qu'on est sur une filière très concurrentielle. Demain, ça dessine le futur. Ça dessine demain. Un exemple très précis, hein, juste pour ça, faire des expérimentations avec des produits de biocontrôle pour remplacer toute la panoplie chimique qui disparaît, rechercher des méthodes alternatives de désherbage, des choses comme ça, utiliser le numérique aussi, une part importante, on est en partenariat avec VG Polis sur ce volet-là, donc voilà, essayer de trouver des nouvelles... Des pistes d'avancée, voilà, des solutions de l'éclairage. Qui vont se développer dans les années à venir. Autre volet important, faire évoluer les pratiques de la filière et en particulier du monde agricole. Et là, c'est un volet plutôt aide à l'investissement, donc une grosse part du budget pour les agriculteurs, pour s'adapter à la transition agroécologique, pour développer en gros l'ensemble de la filière semences et plants. Éric Falloux, vous êtes, je le rappelle, président du comité Centre et Sud. Vous allez nous parler justement un petit peu d'une application concrète ou d'un partenariat qui vous intéresse dans Capfilière, notamment concernant les producteurs de plants de pommes de terre, je crois. Oui, tout à fait. Donc, pour reprendre ce Capfilière, l'importance que met la région en termes financiers est considérable. Et les plants de pommes de terre, donc nous, pour vous donner peut-être un chiffre, globalement, il faut à peu près compter 250 euros de la tonne d'investissement pour pouvoir faire de la production de plants de pommes de terre. Donc, c'est considérable. Donc là, la région et Capfilière donc nous aident très sérieusement, ce qui nous permet donc de répondre à la demande, puisque la région Centre, encore une fois, Vincent en a parlé de son attractivité, c'est aussi une attractivité en plants de pommes de terre. La France, globalement, c'est 1 000 hectares par an
de développement de surface de plants de pommes de terre. Donc notre région n'y coupe pas. Et donc à partir de là, il y a des nouveaux producteurs qui se lancent, alors avec des systèmes un peu plus ou moins différents. Mais voilà, donc c'est ce soutien de cette région, de la région. Cap Filière va donner des financements, va donner de l'accompagnement technique, du conseil aussi, concrètement, pour ceux qui veulent s'installer, se développer, se transformer. Alors techniquement, bien sûr, il y a des experts je veux dire, dans le domaine technique purement plant de pommes de terre, on a nos propres experts et nos propres techniciens qui nous apportent tout ce soutien. Mais ce soutien est comptabilisé aussi au sein du Cap Filière. Et donc, ce qui nous permet donc d'avoir la chaîne dans sa totalité, c'est-à-dire à la part du financement, de la technicité jusqu'au bout. Et alors, sauf le marché, puisque donc le Cap Filière ne s'occupe pas du marché, bien sûr, puisqu'il est là pour... Ce qui est en amont, en fin de compte, finalement. Voilà, tout à fait. Allez, je caricature. Sans Cap Filière, sans les outils, les moyens mis en œuvre par Cap Filière, quoi, ce serait finalement peut-être des producteurs de plants de pommes de terre en moins, ou plus difficilement dans la transformation, dans l'adaptation, dans les nouvelles technologies, comme vous le disiez. C'est ça, Éric Fallou, selon vous? Oui, tout à fait. Donc, je parlais quand même de la lourdeur d'investissement. Et je pense que là, devant cette difficulté, on aurait beaucoup moins de producteurs. Même si aujourd'hui, dans la région, alors on a mis un petit principe en place qui peut aider les producteurs ou les futurs producteurs de plants de pommes de terre, c'est ce que j'appellerais le parrainage. Aujourd'hui, voilà, on adhère à la production de semences ou la production de plants de pommes de terre uniquement si on en est convaincu. On a une première idée, c'est d'aller dans ce sens-là. Après, faut transformer. Et la transformation, ça se fait sur un an ou deux, où on permet à des producteurs nouveaux ou futurs producteurs d'amener leurs marchandises chez des producteurs existants, ce qui leur permet déjà de comprendre la production, à la fois techniquement, à la fois dans son ensemble, et donc derrière de pouvoir se développer et donc adhérer directement et faire le dossier auprès du Cap Filière. Il nous reste 2 minutes avant de finir. Je crois qu'il y a aussi un forum semences qui est organisé, qui là justement permet d'échanger, de croiser, de se dire voilà ce que je fais, voilà ce qui existe, etc. C'est ça? Tout à fait. Dans les objectifs du Cap Filière, on s'était donné aussi renouveler les générations d'agriculteurs multiplicateurs ou de producteurs de plants. Et pour cela, on organise tous les ans, alors cette année c'était un peu particulier, c'était évidemment en visio, mais on organise tous les ans une rencontre entre d'un côté des établissements, producteurs de semences ou producteurs de plants, et des agriculteurs. Donc avec un succès qui ne se dément pas d'année en année, parce que d'abord il y a des agriculteurs intéressés et la filière est intéressante parce qu'elle est organisée aussi. C'est ça qui est important et qu'on met en avant dans notre vie de tous les jours. Vincent Delaunay, pour terminer, c'est important qu'il y ait ces outils, ces moyens d'action, ces façons de se réunir, d'échanger pour nourrir finalement la culture de la filière semences et tous les gens qui travaillent dedans. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on a la chance sur la région d'avoir cet outil Cap Filière qui permet de structurer les parties prenantes. Et c'est une vraie force qui nous permet aujourd'hui d'être la troisième région française, malgré, on va dire, les regroupements, puisque la région Centre-Val-de-Loire n'a pas changé de rang, malgré le regroupement des grandes régions autour. Donc, ce qui montre la production de semences, la force de la production de semences sur la région. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette production de semences qui a une place importante et qui est soutenue, on l'a vu notamment à travers Cap Filière Semences. On se retrouve dans quelques minutes après une petite page en images avec un reportage, vous allez voir, assez intéressant. À chaque fois que j'entends le mot semence, je vois la diversité des acteurs qui peuvent agir autour des semences. La semence, c'est le début de la vie. C'est une diversité génétique. De milliers de variétés, de tomates, de piments, de melons, venant du monde entier. La semence est un des facteurs de production de l'agriculture, évidemment. La semence, c'est quelque chose d'universel et c'est le langage commun qu'on a tous. La sécurité de produire ce que l'on a choisi, pureté variétale, qualité sanitaire, qui permettent de donner à l'utilisateur de semences le maximum de réussite, le maximum de chances de réussir dans sa production de pommes de terre de consommation, par exemple. Les semences, elles sont importantes parce que c'est le début d'une nouvelle génération. Il n'y a rien de mieux que les semences pour incarner l'innovation de façon générale, mais aussi sur mon métier de producteur et d'agriculteur. Ce qui est toujours très intéressant, c'est de voir qu'une si petite graine peut devenir vraiment un produit très
très complet et très complexe. C'est la base de la production, de la réussite pour l'agriculteur. C'est la vie, les semences c'est la vie en fait, c'est ça. C'est ça qui est aussi plaisant, c'est voilà, on véhicule la vie. C'est à la fois beaucoup et c'est à la fois pas beaucoup, c'est à la fois tout petit, une petite graine qu'on va planter, un semis qu'on va réussir ou qu'on va rater en fonction de la qualité de notre semence. Pour moi, les semences, ça évoque évidemment la vie. Pour mon fils aussi et pour nous, c'est un avenir, quoi. Je pense qu'on va vivre demain, si on peut, encore avec les semences, quoi. Voilà. C'est quand même quelque chose de prenant et de plaisant, quoi. D'un processus dans lequel de très nombreuses personnes sont impliquées. La semence, c'est la vie, avant tout. Une phrase, une semence, c'est transmettre du possible un germe de possible. La semence, c'est la base de la vie. C'est l'origine de la production agricole et c'est un aliment très important aussi puisque ça concentre tous les nutriments. En un mot, c'est la vie. La semence est à l'origine de toute alimentation, c'est une promesse d'avenir. C'est aussi une future variété, quelque chose qu'on peut tenir dans la main et qui peut être sur 30%, 5% des surfaces agricoles dans 10 ans si elle réussit bien. Quoi. Faites tous les jours et de partout de la semence, même nous. Hein. On est une bonne semence, nous aussi. L'origine de l'humanité par la sédentarisation, au moment où les hommes ont compris que ressemer leur récolte, ça leur permettait de maîtriser leur alimentation, ce qui, je pense, est toujours vrai aujourd'hui dans l'ensemble des pays du monde. Et c'est un lien avec la communauté, puisque c'est un objet de troc et de relation. Voilà, c'est le futur. La semence, c'est ce qui fait en quelque sorte la beauté des étals des maraîchers sur les marchés. Hein, si on a des bancs qui sont avec des légumes homogènes, uniformes, bons en goût, produits à côté de chez vous, c'est grâce à la semence. Voilà, c'est de la variabilité naturelle, c'est de la diversité, c'est des ressources génétiques. Les semences, c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention en fait. On vit dedans sans savoir ce que c'est. Donc l'objectif, c'est quand même de découvrir un peu le monde des semences et de savoir ce qu'il y a derrière. Retour sur le plateau de Village-Semences en Sologne, dans le Val-de-Loire. On a parlé des fraisiers, on a parlé de cap-filière. Maintenant, on va parler de la plante fourragère, de l'apprentissage à l'usage. Les collections, à quoi servent-elles en matière d'apprentissage, de transmission de savoir? Et pour cela, j'ai trois invités, deux qui sont ici et un qui est à distance dans les studios parisiens. Il s'agit de Julien Bouffartigue, qui est secrétaire de la section potagère gazon Semae. Monsieur Bouffartigue, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je ne vous entends pas, mais je pense que ça devrait arriver d'ici quelques instants pour le retour en plateau. Le temps de présenter mes deux autres invités, monsieur Alain Jean-Joseph, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant au LEAP de Saint-Cyran-de-Jabot, le LEAP... Du Jambot, oui. C'est... Pardon, de Jambot. Du Jambot, oui. Voilà, le LEAP, qu'est-ce que c'est? Lycée d'enseignement agricole privé, ça signifie. Voilà. Parfait. C'est un mi-parcours entre Tours et Châteauroux. Et je crois que vous êtes dans votre, je ne trahis pas de secret, votre 39e année scolaire. Et dernière? Oui, voilà, oui. Chapeau pour les 39 ans déjà. Vous en avez bouloté. À ma droite, Laurent Victor, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de Jouffray Driot, qui est la principale entreprise fourragère en France, c'est ça? On est effectivement un acteur important du marché des fourragères, de la luzerne, effectivement, en France et même maintenant, on peut dire un peu à l'international également. Ah bah, c'est bien de le dire, à l'international, ça va commencer et ça va dépoter. Est-ce que monsieur Bouffartigue, je reviens donc vers vous, vous êtes dans les studios parisiens, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le principe d'une collection pédagogique? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Alors, déjà, une collection, c'est un ensemble d'espèces qu'on va semer sur des petits carrés pour pouvoir les comparer entre elles, différentes espèces ou éventuellement, d'ailleurs, différentes variétés au sein d'une même espèce.
Donc c'est quelque chose de démonstratif. On l'utilise par exemple dans des salons extérieurs, mais ça peut être aussi effectivement un outil pédagogique pour tout ce qui est formation autour des fourragères. Et c'est pour ça que notre interprofession a développé un outil clé en main pour les établissements d'enseignement, pour pouvoir créer une collection au sein de leur établissement et proposer différents exercices ou différents ateliers autour de cette collection. Alors, pour être concret et didactique, une collection pour des établissements, et on va en parler dans quelques instants avec monsieur Alain Jean-Joseph, ça consiste en quoi ? Il y a un petit catalogue, il y a un kit, il y a quoi concrètement pour justement ces utilisateurs, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on comprenne bien ? Comme je l'ai dit, on a créé un outil clé en main, donc c'est qui prend la forme d'une sorte de mallette où ils vont retrouver déjà les semences. C'est quand même la première chose hein, qui pourrait être semée. Un livret pédagogique pour avoir développé différentes activités autour de cette collection et également des panneaux et leurs supports pour pouvoir afficher quelles espèces et quelles caractéristiques ont chaque petit carré qui ont été semés. Donc voilà, il y a tout pour faire la collection. Après, évidemment, il faut la semer et l'entretenir. Parfait. On vous retrouve dans quelques instants. Une première question, Alain Jean-Joseph. Donc, je le rappelle, vous êtes enseignant dans un lycée agricole, enseignant en agronomie. Oui. Ces collections-là, vous, donc, on a vu avec M. Bouffartigue le kit, finalement, qui existe. Vous en servez depuis longtemps. Concrètement, vous en servez comment ? On s'en sert, disons, de façon basique. Ce que je peux préciser, c'est que le lycée agricole est tourné vers le cheval depuis les années 90, depuis que j'y suis d'ailleurs à peu près, ce qui fait que sur le plan agronomique, je parle assez peu finalement de grandes cultures, de l'oléagineux, choses comme ça, mais essentiellement de l'herbe, on va dire. Donc, avec le cheval, on a des étudiantes on a beaucoup d'étudiantes, on a un public assez féminin. L'équitation est traditionnellement, voilà, un univers. Oui, on a des citadins donc aussi. Donc, quand je parlais de choses basiques, c'est tout simplement que la collection sert déjà à différencier, ne serait-ce que monocotylédone, dicotylédone, hein, parce que ça parle quand même à plein de gens. Et donc, au niveau des plantes prairiales, ça veut dire graminées, légumineuses notamment. Donc la collection, elle a tout de suite sa place à ce niveau-là, quoi, pour au moins distinguer ça, et ensuite à l'intérieur de ces deux familles, les différentes espèces. On aurait bien voulu parfois aller un peu plus loin vers, comme c'était dit tout à l'heure, un peu d'expérimentation. On n'a pas vraiment réussi, mais déjà, cette base, c'est pas rien, quoi, c'est important. Concrètement, ces semences-là, vous allez quoi ? Les observer, vous allez les cultiver, on les met en place, donc oui, c'est vrai qu'y compris les graines, donc il faut signaler que SEMAE, enfin, qui s'est longtemps appelé le GNIS pour moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Le GNIS est devenu SEMAE depuis quelques semaines. Donc le GNIS a pour intérêt déjà de financer les semences, il faut le dire, parce que c'est ce qui coûte cher. Pour les lycées agricoles, c'est important aussi. Et donc, financer le pancartage et tout, à la fois pour les élèves, mais y compris à destination des parents, par exemple, ou des professionnels quand il y a des portes ouvertes, choses comme ça. Donc, ça permet de faire une présentation propre et agréable, on va dire, des différentes espèces. Donc, avec les élèves, dès lors qu'on les sème, ça permet de différencier ces plantes-là aussi au niveau des graines et tout. Donc, il y a un intérêt pédagogique à tous les étages. Le moins intéressant, on va dire, c'est l'entretien. Hein. C'est-à-dire, il faut le chasser quand même, les adventices un peu. Voilà, il faut entretenir et il faut tondre. Mais sinon, voilà, il y a En tout cas, c'est un outil pédagogique important qui est nécessaire pour l'enseignant que vous êtes, pour vos élèves. Laurent Victor, je vous rappelle, vous êtes directeur de communication de Jouffret Drio. Oui. À votre niveau, est-ce que vous vous servez justement de ce qu'évoquait Julien Bouffartigue, de ces collections-là, de ces productions-là Alors, pour nous, la collection est importante. Hein. C'est avant tout une façon aussi d'amener un accompagnement, une pédagogie,
à la fois en collaboration quelquefois avec des lycées, mais aussi et surtout avec nos clients qui sont les coopératives, les négoces et les agriculteurs d'une manière plus directe. Et nous avons mis en place depuis 3-4 ans maintenant, nous on n'appelle pas ça des collections, on appelle ça des pôles experts, qui sont répartis au niveau national et même à l'international, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour juger finalement du positionnement de notre offre, hein, et de voir comment, avec ces mises en place, on a une adaptation en fonction des secteurs pédoclimatiques de nos collections. Vous en servez comment exactement ? Quel est votre partenariat ? Il y a un double objectif. Oui. Hein. Un premier objectif, c'est celui effectivement de collecter des résultats, hein, en termes de développement, en termes de performance, en termes de qualité aussi des fourrages récoltés. Et puis c'est surtout après l'accueil sur ces sites d'un grand nombre de visiteurs. Alors c'est vrai que le Covid nous a un petit peu freinés sur 2020. Mais depuis 4 ans, on a reçu près de 2000 visiteurs, techniciens, agriculteurs, élèves, pour présenter un petit peu l'herbe dans sa diversité. Oui. Et on a beaucoup travaillé notamment sur les mélanges d'espèces, mélanges plurivariétaux. Le décor bouge tout seul. Le décor bouge tout seul, ça crée de l'animation, c'est bien. Des mélanges multi-espèces qui répondent notamment à de nouveaux objectifs, je pense à des problématiques de réchauffement climatique et autres qui nous amènent justement de nouvelles visions, de nouvelles adaptations sur lesquelles on s'est beaucoup investi. Julien Bouffartigue, ces collections pédagogiques, elles sont accessibles un peu partout en France. Qu'est-ce qu'on peut dire de la diffusion de ce savoir afin d'enseigner, de transmettre ? Oui, bien sûr, on retrouve des collections pédagogiques fournies par SEMAE un peu partout. Sur le site Gnis Pédagogie, qui va sûrement bientôt changer de nom, et il y a logiquement une carte, elle n'était pas fonctionnelle il y a quelques jours, mais elle va être de nouveau l'être, qui permet de retrouver l'ensemble des collections fourragères, également gazon, hein, parce qu'on a la même chose sur l'enseignement espace vert, donc avec des collections gazon, qui sont implantées en France. Donc on couvre à peu près tout le territoire et on continue d'en proposer régulièrement, donc ça se renouvelle. Concrètement, c'est chaque délégation régionale, c'est ça, qui est en charge notamment de la diffusion de tout ça ? Oui, on s'appuie beaucoup sur des outils comme ça, qui sont quand même des outils vraiment de terrain. On s'appuie bien sûr sur nos délégations régionales qui soient à l'occasion de tout échange avec des organismes de formation ou d'enseignement, va rappeler l'existence de cet outil. Après, il figure également il est présenté sur le site, il figure dans notre catalogue, mais c'est souvent par des échanges avec des professeurs en direct dans le cadre de l'activité des régions ou nos présences sur des salons, qu'on crée des contacts et on amène à fournir l'outil à de nouveaux professeurs qui ne le connaîtraient pas encore. Alain Jean-Joseph, je crois, en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'on se sert aussi de ces semences pour des concours, le concours Prairie Temporaire, je crois. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors la collection, c'est pas directement le même support. La collection sert à la connaissance donc des espèces, variétés prairiales. Et ensuite, oui, le deuxième grand volet qui est intéressant en coopération avec le GNIS, c'est de répondre présent sur l'organisation de leur concours prairie temporaire qui concerne toutes les premières années de BTS agricole, en production, hein, que ce soit TV, que ce soit production animale comme nous, hein, ou l'axe aussi. Et on a un axe d'ailleurs depuis la rentrée dernière, en 2020. Et donc le concours prairie, on en dit deux mots justement. Le concours prairie, ça consiste à... Il faut une exploitation support. Hein, c'est plus concret. C'est ça qui est intéressant, c'est que les élèves, les étudiants vont travailler en binôme sur une exploitation qu'ils ont choisie. Souvent, c'est un ancien maître de stage ou un maître de stage récent. Un éleveur, parce que donc quand on parle de fourragère, il va y avoir un système fourrager qui doit être là. S'il y a un système fourrager, il faut qu'il soit justifié, donc il y a de l'élevage, peu importe l'espèce, ce support. Et puis ce système fourrager, on va en faire une sorte d'audit et on va essayer de voir comment il pourrait être amélioré, non pas dans tous les aspects, mais au moins autour de la qualité justement des espèces et des variétés qui sont cultivées.
Donc le lien avec la collection est là, c'est que le passage obligé de cette amélioration, c'est par les plantes. Là, on ne parle pas de la façon dont sont distribués les fourrages ou je ne sais pas quoi, on se fixe comme un point d'amélioration la qualité ou l'adéquation en tout cas des espèces cultivées avec les besoins du troupeau. Voilà. Julien Bouffartig, c'est important d'avoir comme ça un concours prairie temporaire, c'est important, ça compte aussi? Oui, c'est une action emblématique de notre section, hein, qui, alors j'ai plus la date de création, mais qui est ancienne de plusieurs décennies. Donc, on a toujours choisi de poursuivre et d'améliorer, de faire évoluer ce concours. Oui, c'est très important parce que et encore plus, on en est encore plus convaincu maintenant. Où la place des fourragères dans l'agriculture, sachant que ces espèces-là sont aussi souvent utilisées pour des usages de plantes de service dans le cadre de nouvelles pratiques agroécologiques. Ce sont des espèces qui auront une importance de plus en plus forte. Donc il faut former effectivement tous les acteurs du milieu agricole à ces espèces dans le cadre de leur formation de base. Et donc voilà, donc ça fait partie de nos actions vers l'enseignement et ça nous semble important de le faire. Dernière chose, ça a lieu à quelle époque, Monsieur Jean-Joseph, ces concours prairie temporaire sont alors donc oui, ça déjà, il faut rappeler que ça concerne un BTS, c'est 2 ans, ça concerne les premières années. L'inscription a lieu en novembre, il faut rendre sa copie en avril, début mai. Enfin bon, avec l'histoire de Covid, on est amené à avoir un peu plus de souplesse, donc on rend la copie en numérique maintenant. Et bon, c'est pas très grave. Si finalement le jury se réunit en général début juin. Il y a 3 palmarès hein, au niveau du GNIS. La France est coupée en 3. Nous, à Saint-Cyran, on est amalgamé avec la région lyonnaise et tout le Grand Sud-Est. Donc il y a 3 palmarès qui sont établis. Il y a des lots qui sont intéressants à gagner. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a des lots de par groupe, hein. Je sais que nous, on a eu plusieurs fois le prix, une prix d'assiduité, quoi, parce qu'on rend, tout le monde rend sa copie, tous les binômes rendent la copie, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Et donc, on a parfois quelques euros comme ça qui sont intéressants pour à destination de la documentation ou de voyage d'études. Voilà, intéressant. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce sujet, la plante fourragère, de l'apprentissage à l'usage. On voit effectivement qu'il faut savoir conserver, présenter, transmettre pour assurer la suite, tout simplement. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. Retour dans le studio parisien et puis on revient ici en Sologne pour parler d'autres sujets. À tout de suite.